Hello la team, en direct du parc avec des invités spéciaux. Voilà, donc aujourd'hui pour le WOD de ce dimanche, on va avoir en échauffement un petit tabata avec deux exos. Donc le premier c'est des fentes. Donc, pendant 20 secondes, on va faire des petites fentes, on alterne, tac, on garde bien le buste aligné. Et deuxième exercice, shoulder touch. Donc on se met au sol et on va chercher à toucher les bras, épaules opposées. D'accord, donc là on a 8 tours à faire, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, donc ça fait 4 de chaque. Ensuite, petit renfo, on va avoir 5 tours à faire, donc ça va être vraiment focus sur le bas du corps, donc on va avoir 8 fentes ou gares de chaque côté, d'accord, donc on essaie de trouver un endroit pour positionner le talon, et on va faire des petites fentes, on garde bien l'alignement genou-cheville. C'est ça pour les abdos, on en fait 8 d'un côté, 8 de l'autre. Ensuite, à nouveau avec la charge, des good morning, slow good morning. Mouvement lent et contrôlé, donc on va envoyer les fesses en arrière, le buste en avant, tension dans les ischios, dos placé et on redresse. Mouvement lent et contrôlé, la tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. Ok. Ensuite, 30 secondes de Sorensen Hold. Donc, on se positionne. Ouais. Dégueulasse pour dégueulasse, on va aller par terre. 30 secondes en iso. Ici. D'accord. On traque bien les muscles du bas du dos, le lombaire. 30 secondes de planche. Plus trop bas, plus trop. On est solide. Relax au niveau des bras. Ok, donc tout ça. On fait 5 fois. 8 fentes d'un côté, 8 fentes de l'autre. 12, good morning. 30 secondes Sorensen hold statique. 30 secondes de planche statique. Dernière partie de l'entraînement du jour, ce sera un 4 time avec 3 parties. 21, 15, 9 sur un couplet. 15, 12, 9 sur un autre couplet, 12, 9, 6 sur un dernier couplet. Le premier, 21, 15, 9, push-up. On prend un appui au sol, on va toucher la poitrine et on redresse. 21 reps. 21, goblet squat. J'ai ma petite charge ici, je vais chercher à faire du squat. D'accord, flexion complète, genou-hanche. 15, 15. 9, 9, 1 minute 30 de récup, 15, 12, 9, HSP. Donc ici, on a choisi une surface de manière à avoir les fesses relevées. Je rentre la tête, je touche, je remonte. 15, HSP. 15, push press. Je prends un petit élan, un petit extension au niveau des hanches. Accompagnement avec l'extension des coudes. 15 HSP, 15 push press, 12, 12, 9, 9. 1 minute 30 de récup. 12, 9, 6. Déficit HSP, donc là, j'ai pas ce qu'il faut, mais l'idée c'est d'avoir plus d'amplitude au niveau des bras. D'accord ? Donc je serai aussi avec des bouquins par exemple ou autre chose. Donc 12 déficit HSP, 12. Cluster, combinaison entre le squat et le press qu'on a fait juste avant. D'accord, donc je fais mon squat et j'explose pour envoyer l'extension des coudes. Donc 12 déficit HSP, 12 cluster, 9, 9, 6, 6. Voilà pour l'entraînement du jour. Moi je vais faire un peu de tyrolienne et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!